s'inquiéter quelque peu après le Tour de France pour l'équipe du Groupama FDJ de Marc Madiot, avec l'arrêt de Thibaut Pinot, David Gaudu un peu en dessous, qui avouait qu'il ne pouvait pas faire plus. Et là, on voit Romain Grégoire, on voit Lenny Martinez sur la Vuelta, on voit Valentin Madouas. En fait, faut pas s'inquiéter pour Marc Madiot et sa Groupama FDJ, en fait, en quelque sorte. Non seulement il ne faut pas s'inquiéter, mais je crois que ce qui se passe depuis, de façon visible depuis quelques mois, est plutôt rassurant. Et je pense que l'équipe est en train de passer à une nouvelle dimension par l'arrivée des jeunes. Vous savez, les jeunes bousculent les vieux. Si vous êtes Remco Evenepoel, comment faire pour battre cette équipe à trois têtes, la Jumbo-Visma? Quelle stratégie? D'abord, la première c'est de leur laisser le maillot. Evenepoel n'a pas le droit, sur ce Tour d'Espagne, s'ils veulent gagner, de faire la moindre faute. Avant quand même de parler de cette 78e édition de la Vuelta, on va quand même revenir, parce que vous étiez hier à Ploué et vous avez pu assister de vos yeux vus, c'est le cas de dire, de la victoire du champion de France, sa première en World Tour, à Ploué, à la Bretagne Classique. Il prend forme, ce Valentin Madouas, il prend de la consistance, non? Quel est votre avis? Son titre de champion de France, son titre de champion de France lui va très bien. En plus, il a gagné avec beaucoup d'autorité. Il s'affirme un peu plus chaque jour. Et puis, peut-être que ce titre de champion de France lui a amené peut-être quelque chose qu'il n'avait pas, c'est de savoir gagner. Car si on regarde bien hier, il n'était pas le plus fort du groupe de tête. Il a pris des risques pour aller chercher la gagne en essayant de faire un sprint décollé. S'il avait eu de bonnes jambes, à mon avis, il n'aurait pas pris ce risque, du moins de se décrocher d'aussi loin. Mais bon, quand on sent qu'à la pédale, on ne peut peut-être pas y aller, eh bien, tentons autre chose. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup de bonheur. Et puis, ça confirme aussi son talent qui, à mon avis, n'est pas encore exploité totalement. Il a encore une marge de progression, et je pense qu'il le sait d'ailleurs. Il a une marge de progression, et s'il arrive à aller chercher son maximum, son potentiel maximum, je pense que les victoires vont se succéder dans les années à venir. On s'inquiétait pour la fin de saison. On s'inquiétait quelque peu après le Tour de France pour l'équipe du Groupama FDJ de Marc Madiot, avec l'arrêt de Thibaut Pinot, David Gaudu un peu en dessous, qui avouait qu'il ne pouvait pas faire plus. Et là, on voit Romain Grégoire, on voit Lenny Martinez sur la Vuelta, on voit Valentin Madouas. En fait, faut pas s'inquiéter pour Marc Madiot et sa Groupama FDJ, en fait, en quelque sorte. Non seulement il ne faut pas s'inquiéter, mais je crois que ce qui se passe depuis, de façon visible depuis quelques mois, est plutôt rassurant. Et je pense que l'équipe est en train de passer à une nouvelle dimension par l'arrivée des jeunes. Vous savez, les jeunes bousculent les vieux. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est l'histoire de la nature. Et que ce soit d'ailleurs dans le monde chez les humains ou même dans le monde animal, les jeunes arrivent, ils bousculent les vieux. Rien ne dit d'ailleurs que la victoire de Madouas, quelque part, n'a pas été plus ou moins, on va dire, stimulée par ce qui se passe en Espagne avec les jeunes. Et même quand vous vous appelez Madouas et que vous êtes champion de France, vous sentez qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière. Si vous voulez rester en haut de la pyramide et rester au pouvoir, il faut aller gagner. Et l'arrivée des petits jeunes, et pas que des Français, hein, pratiquement il y a une quinzaine de coureurs qui ont moins de 23 ans dans l'équipe de Marc. Donc il ne faut pas s'inquiéter, Pinot va vivre sa retraite tranquillement, et tant mieux. Démarre est parti, des nouveaux arrivent, et peut-être beaucoup plus tranchants, et qui ont peut-être beaucoup plus l'esprit de la gagne en eux, que, on va dire, la génération des 25-35 ans du peloton français. On est,
On est souvent content de son sort. Et on est même content quand on fait une échappée, parce que c'est très bien. On s'est fait plaisir. On fait 75e parce qu'on s'est fait rejoindre à 2 bornes de l'arrivée. Mais on est content, on a pris du plaisir. Ça serait bien que les coureurs français apprennent une chose et que l'encadrement leur répète. Et puis surtout que ceux qui s'occupent des mômes à l'âge de 12, 13, 14 et 15 ans leur apprennent que le plaisir, c'est pas que de faire du vélo. Le vrai plaisir, c'est de gagner. Et quand on gagne, on se fait du plaisir. Alors, où on fait du cyclotourisme, du cyclosportif, où on fait de la compétition. Et quand on fait de la compétition au plus haut niveau, c'est la victoire qu'il faut aller chercher. C'est la victoire que l'on veut. Il faut apprendre à gagner. Et ça, les Français ne l'ont pas, à part quelques exceptions. Bon, il y en a un qui l'a. On vient de faire sa conférence de presse de journée de repos du côté de Valladolid en Espagne avec Remco Evenepoel qui nous disait que Ah oui, le pari. Non, non, lui, il n'a pas de problème là-dessus. le chrono pour lui ne va pas être décisif sur cette Vuelta. Important, mais ce n'est pas forcément le jour le plus important pour lui, qui est champion du monde de contre-la-montre, il faut le rappeler, sur route. Pour lui, c'est un chrono important, mais la suite va l'être tout autant. Ben, le chrono va être important, tout est important sur une course par étapes, parce que comme je dis toujours, tout s'additionne, rien ne se soustrait. Quels seront les écarts à l'arrivée? Ben, ce sera intéressant de les voir, ils ont toujours une signification. Mais sur si peu de kilomètres, puisque bon, on a des distances aujourd'hui où pour prendre 1 minute, il faut un moteur sur le vélo. Surtout compte tenu des approches actuelles. Donc, les écarts ne seront pas suffisamment importants dans un sens ou dans l'autre pour que, et Evenepoel a raison, pour que les écarts qui seront enregistrés seront décisifs. Il y a suffisamment d'autres étapes où il peut se passer, où il se passera d'ailleurs obligatoirement beaucoup de choses. Et je crois que pour Evenepoel, l'important, il n'est pas lié au contre-la-montre, il est lié à une équipe qui a, on va dire, 3 leaders, 2 leaders et puis un équipier qui est en train de devenir leader. Et lui, il est tout seul. Ouais, justement, il nous en parlait, Cyril. Remco nous disait que si Sepkus fait un bon chrono, là, il va peut-être falloir vraiment s'en méfier. Voilà ce qu'il nous disait. Pour l'instant, c'est Roglic et Vingegaard. Mais si Sepkus, le maillot rouge et leader actuellement de la Vuelta, fait un bon chrono mardi, il va peut-être falloir s'inquiéter de sa présence. Voilà ce que nous dit Remco. Mais il a raison, c'est pas parce que j'ai la même analyse qu'il a obligatoirement de bonnes analyses, mais au moins on sent qu'il y a quand même des choses intéressantes qu'il dit. Beaucoup de coureurs ne disent rien, même s'ils parlent longtemps. Lui, il dit quand même des choses importantes. Et c'est vrai que la facilité des Sepkus dans les ascensions, sa capacité à brouiller les cartes aujourd'hui, alors qu'avant il était au service de points. Aujourd'hui, il rentre dans la stratégie de la victoire. Parce que je suis pas sûr que Roglic soit certain, comme Vingegaard, de déposer à la pédale Evenepoel. Donc, il va falloir qu'il joue peut-être, ou ils vont peut-être être obligés, effectivement, de jouer sur de la stratégie et de jouer sur le troisième point d'appui qui est Sepkoski. Donc il a raison, si Sepkoski vient trop près, s'il fait un grand contre-la-montre, compte tenu de l'avance qu'il a actuellement, il pourrait encore être leader demain soir, peut-être. Ça changerait. Non, ça changerait pas grand-chose parce que c'est quand même la stratégie qui fera la différence et il ne faudra pas qu'Evenepoel, il ait un mauvais jour comme il a pu avoir suite à sa cabriole le jour où il remporte l'étape et qu'on avait oublié de faire en bout de ligne un passage pour que les coureurs puissent... enfin bon, la sécurité sur l'Espagne, un grand mythe. On va en parler après. Si vous êtes une dernière question avant de parler justement de cette sécurité ou cette poisse qui envahit un peu le Tour d'Espagne avec des conditions météorologiques très compliquées à gérer pour les coureurs et pour les organisateurs, si vous étiez Remco Evenepoel, si vous êtes Remco Evenepoel, comment faire pour battre cette équipe à trois têtes, la Jumbo-Visma?
Quelle stratégie? Ben, d'abord, la première, c'est de leur laisser le maillot. Et en leur laissant le maillot, vous les obligez à avoir un certain comportement en course, et ce qui va vous permettre à vous d'être en position d'attente, plutôt, on va dire, de chasseur que de chassé. En règle générale, le chasseur gagne plus souvent que le chassé. Il n'a pas l'équipe pour jouer, mais ça, on le sait par rapport à Jumbo. Bon, après, il aura des coureurs qui viendront lui donner un coup de main en fonction des circonstances. UAE, je pense qu'à certains moments, ils auront peut-être intérêt de rouler avec Evenepoel. Éric Mas, Movistar, eux aussi risquent de se trouver dans certaines situations où ils seront obligés de collaborer avec Evenepoel. Donc, il faudra surtout être très, très intelligent, bien sentir la course. Et quand je dis bien sentir la course, sentir qui est le moins bien des trois jumbos. S'il y en a un qui est un peu moins bien, si vous pouvez l'éjecter, ce jour-là, il faut le faire. Il ne faut jamais rater quelqu'un qui n'est pas bien un jour. Alors, mais pour ça, il faut un nez, il faut des yeux derrière la tête, il faut sentir les choses, il faut avoir des équipiers qui peuvent aussi remarquer un certain nombre de mouvements qui peuvent amener à se dire que l'un ou l'autre est un petit cran en dessous. Evenepoel n'a pas le droit sur ce Tour d'Espagne, s'ils veulent gagner, de faire la moindre faute. Donc ça va être intéressant. Vous nous disiez avant ce Tour d'Espagne, votre podium, et peut-être qu'Evenepoel serait même pas sur le podium, quatrième, alors que nous sommes quasiment à mi-Vuelta, puisque même si nous sommes à la première journée de repos, il y a quand même 9 étapes qui se sont disputées. Aujourd'hui, votre podium à Madrid, dans 15 jours, ça serait lequel? Maintenant, il faut rentrer Sepp Kuss dans le podium ou sur le podium. Moi, ce qui m'inquiète au niveau d'Evenepoel, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas véritablement à son point de forme. Je le sens un petit peu enveloppé et ça ne pardonnera pas. Où il descend à son point de forme est le vrai, ce qui veut dire que, vu de ma fenêtre, hein, je pense qu'il a quand même 1 ou 2 kilos qu'il faudrait qu'il fasse disparaître d'ici une semaine. Ça n'est pas facile, et puis chacun sa propre philosophie par rapport à ça. Mais 1 ou 2 kilos, ça fait quelques watts en plus nécessaires pour rouler à la même vitesse. Je pense qu'il a une marge sur ce plan-là. Mais s'il s'en occupe pas tout de suite, il sera battu. Vingegaard, il n'a pas 1 gramme de graisse en trop. Roglic non plus, Sepp Kuss non plus. Donc, ça serait quoi le podium à Madrid? Sur la première place, un des Jumbo, bien sûr. Mais je rentre Cup hein, dans le Sepp Kuss, hein, sur le podium aujourd'hui. Ou alors, il n'a pas le mental pour supporter la pression. Et à ce moment-là, bon, bah, sa seule et unique vocation sera d'être un formidable équipier, ce qui n'est pas non plus un rôle ingrat. Ingrat, lorsqu'on le regarde comme ça, mais derrière, je pense qu'il gagne très bien sa vie. S'il est heureux comme ça, c'est parfait. S'il prend un peu d'ambition et s'il envie le Titi d'aller faire une place, il a les jambes pour y aller. Donc, un des Jumbo, après logiquement, on a Evenepoel, mais Mas, faut pas le. Il est quand même régulier. L'an dernier, il a fait un super tour d'Espagne. Il a raté son tour. Il a des revanches à prendre. Et puis, Ayuso reste quand même le gros point d'interrogation. Bon, on sera fixé d'ici 13 jours, en espérant une Vuelta un peu plus calme, parce que depuis 9 étapes, entre le premier jour, le chrono la nuit sous le chrono par équipe la nuit sous la pluie, des étapes qui n'arrivent pas à leur terme où les temps sont arrêtés parce qu'il y a des problèmes à cause des conditions météo. C'est quoi? C'est la faute à pas de chance? C'est parce que ça va polémique sur polémique depuis le début de cette Vuelta quand même. Non, la chance n'existe pas, on la provoque. Et là, on n'a pas provoqué la chance, on a provoqué la malchance. Alors déjà, mais bon,
Bon, on peut dire ce qu'on veut si ce n'est pas ceux qui ont les manettes financières qui commandent. C'est quoi un contre-la-montre par équipe sur un circuit qui est encore plus tortueux que le parcours des championnats du monde, qui dans une course en ligne était un parcours exceptionnel. On a des conditions météorologiques qui fait qu'on aurait pu carrément modifier cette étape, ou tout du moins dans les horaires, la déplacer, personne n'aurait rien dit, et tu finis à la nuit, en nocturne. Non, c'est ridicule, inadmissible. Mais qui va prendre une sanction? Parce que le coureur qui jette un bidon, il a une sanction. Le coureur qui fait pipi sur le bord de la route, il a une sanction. L'organisateur qui envoie des mecs dans les barrières, il a une sanction, lui? Non. Quelle sanction sera prise? Bah, les loups ne se mangent pas entre eux, vous le savez bien. Mais normalement, on devrait pouvoir sanctionner les organisateurs. Regardez l'arrivée là, de la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne, où on met des plots au milieu de la route. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait boum par terre. Mais quand vous voyez que, par exemple, le responsable de la sécurité des courses à la Fédération française est également organisateur au Poitou-Charentes, et que la dernière étape, vous avez une arrivée en virage, il fait quoi, monsieur sécurité de la FFC? Il fait quoi? Et quand on regarde bien les images, normalement, c'est le deuxième qui devrait être premier si ça avait été en ligne droite. Parce que quand vous prenez l'extérieur par rapport à celui qui est à la corde, vous faites pratiquement 1 mètre de plus. Or, il est battu de quelques centimètres. Il y a aussi l'équité sportive à respecter. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais non, non, tout le monde, hop, on parle de sécurité. Vous savez, c'est comme tout. Quand on parle beaucoup de quelque chose, c'est qu'elle n'existe pas. Tout est dit. Oui. À très vite. À très vite. Merci, Cyril.